Bon, maintenant, on allait pour l'autre question que m'a dit annoncé que nous allons avec Wad. Ça le dit encore. Le nouveau propriétaire de Taraz, est-ce qu'il s'appelle Olivier Martelly? Non. Non. Et pas chez Taraz. Et sous même note, ça, il faut me dire que moi, je suis un promoteur. Moi, je loue différents événements. Moi, je loue différents espaces pour faire des événements. Ça arrive même que je loue Taraz déjà. Ça arrive même que je loue Caribé déjà. Ça arrive même que je loue Oasis. Je loue n'importe quel espace pour faire des événements. Mais je me dis, je suis un homme d'affaires. Ça veut dire que si moi, dans le business entertainment, ça arrive un jour m'intéresse à acheter ou bien bâtir un espace pour faire des événements. M'baoué un problème dans ça. Mais dans le dossier Taraz là, on va qui dérange mon pile, c'est le fait que oui, Olivier Martelly est le fils du président, de l'ex-président. Nous avons fait ça nous l'avait parce que son homme public, nous avons balle dossier, nous avons monté dossier pour lui, nous avons dit n'importe qui ça, nous avons droit. D'après Jean Villaya, là, c'est comme ça lié. Ou monter sur internet ou dissolver, ou aller dans la radio ou dissolver, jongler. C'est mais Olivier pas qu'à répondre. Mais on oublie Olivier pour le moment. On prend vrai propriétaire Taraz yo que Kounia qui gagne soi-disant en somme de 3 millions, 11 millions, 32 millions, tout montant que yo dit que me bail là. Moun qui a dit que m'acheter a pensé que la blôme ou bien il fait mal, la bon problème. Mais est-ce que nous pensons li bon pour propriétaire Taraz là? Qui n'a pas rien pour être dans la politique, qui n'a pas rien pour être avec Olivier Martelly. Il dit louer Olivier Martelly, même j'ai monté qu'elle fait un événement pour faire anniversaire du point ou bien métropole. Pas de différence entre moi-même, dans le louer Taraz. Est-ce que là? So, Kounia, famille ça, qui a vécu paisiblement que mon père connaît, que mon père est, obligé à adapter Kounia à une situation côté mon abri Léo, mon abdi, l'argent en main, nous, l'argent tombé, nous fait 11 millions, nous fait 32 millions. Je pense que je vais faire assez bon. C'est mandem si je suis propriétaire Taraz. C'est mandem si je fais un tel investissement. Oui, c'est qu'à choix pas pour me dire oui ou bien pour me dire pas répondre. Mais je suis pas d'accord que on mon cas monter sur internet ou bien prendre radio pour dire oh Olivier acheté et puis that's it. Et puis ça tout là. Parce que on oublie Olivier. Nous fait Olivier mal peut-être dans politique, pas un problème. Même pour frapper là, papa me président, so, c'est peut-être ça qui vient avec et il n'a pas quitté déjà. Pas de problème. Mais parler juste pour parler, pas bon. Parce que, par exemple, il y a une autre famille qui est victime de ça, moi-même, moi victime qui n'a pas fait sens. Imagine, comment ça veut dire 11 millions de dollars américains? Ou bien, on somme de 32 millions de dollars, ou bien 1 million de dollars américains? Pour dire qu'il y a un monde qui n'a pas vraiment, pour que les gens connaissent quelqu'un. Non, non, sérieux, monsieur. Donc, est-ce que ça veut dire que même ancien propriétaire Taraz était même ancien. Même propriétaire Taraz, il est propriétaire Taraz. Oui, moi je voulais Taraz. Je n'ai rien à Taraz. Et ma campé d'elle, je ne suis pas supposé cacher que j'ai intérêt à voulais Taraz. Même j'ai avec tout promoteur. C'est, pour moi, c'est une affaire d'espace qui est dans le pays pour faire événement. Pour faire là, je fais près de 5 événements à Taraz. Que m'a ploué pour événement. Tout promoteur a ploué Taraz pour événement. Mais même si je voulais louer Taraz à long terme ou bien louer à long terme avec une option d'achat à la fin. Pour qui ça un scandale? Non, il n'y a pas de non, scandale là, c'est peut-être que le jeune cob là. Mais mon oublie, papa, je suis en train de travailler. Je suis là pour me parler de papa. Papa, je suis en train de travailler. Et hier, je me dis ça tout. C'est peut-être pas une famille, non. Une seul monde qui vit ça, vit là. Qui sorti à pas de gain en pile moyen a vinn très à l'aise avant la présidence. Ça veut dire mon ka dit oui, il pas de gain, pas vinn président, il vinn gain en pile, c'est pas le cas. On ka dit on fait en 88. On ka dit que de 88 à et commencement 90 yo, bagaille était quatre pas fin trois yes et pouvoir pas me qu'on a raconté, pas me dit on l'a lâché lettre avec maman habillé. La pluie a tombé, pour moi, il y a l'être là. La pluie a tombé, en même temps, l'être tombé, je n'ai pas de problème pour les matériaux. Après ça, 92, 93, ce qui commence à décoller. Bon, après ça, le reste, tout le monde connaît. Ce qui vient en icône, ce qui vient en légende, c'est une des plus grands artistes haïtiens que nous gagnons.
Mais ça veut dire. Tout le monde connaît celui qui travaille 24, 25 décembre, 31 décembre, carnaval, toute année, on est capable de chanter, on est capable de travailler. Et malgré ça, il fait des investissements, tout. So, même si l'étape est. Je me fais en question, ça coûte problème. Non, pas même 30 ans de travail. Mm-hmm. J'ai 30 ans de travail. Donc, et nous devons comprendre, je dis, à partir de l'explication de ce qu'on là, c'est des attaques politique qui a fait bon, sur Olivier Martelly en tant que petit président, petit ancien président. C'est purement politique et quand il y a l'impression d'être politique, encore, il vit non plaisir. Il vit non plaisir. Ça veut dire qu'on est gouraz, qu'on n'y a pas rien à faire. Bon, on parle d'Olivier. Monsieur, où est-elle bien là? Oh, Olivier gagne une dou. Autant d'un tel, t'en as fait un tel, Olivier gagne une dou. Ça veut dire qu'on est Olivier vient d'un coup en caractère. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de parler d'Olivier. Et c'est pas parce que. Je parle ou bien bon, c'est pas ça le cas, mais réalité là, c'est que kounien nous parler pour nous parler juste pour parler. Un monde qui voit un message, est-ce que Olivier a acheté ta gaz sur Twitter? Une minute après on me répond, on vient de me confirmer que Olivier a acheté ta gaz. Nous sérieux? Ça veut dire que je pense que c'est le politique de l'homme, c'est qu'on n'a juste pas rien à régler. Et puis nous voulons parler. Parce que moi-même, quand je travaille, je n'ai pas le temps pour me parler de toi. Je suis allé au restaurant, on me dit, mais attends, je ne peux parler de ça. Mais chaque jour, je parle de monde. Finalement, je ne peux pas rien dans la vie, je ne peux pas faire rien. Ce qui veut dire que, malheureux, quand je travaille dur pour un jour retirer petit dans sa vie, ou bien pour le cas, vin gain plus, il gain doit faire. C'est normal. Grand qui gagne comme là qui travaille longtemps plus là pour venir plus comme là. Il gagne doit faire. Mais Olivier lui même pas parler président, pas doit faire rien même. Parce que pas parler dans l'état. C'est ça? Bah même peut-être est-ce que ça fait peur politique? Ça pas fait peur politique, m'apprendre en pile venir apprendre contre monde. Est-ce que vous intéressé à politique? M'a toujours voulu aider, m'a toujours voulu participer dans tout ça bon pour avancement pays à s'ouvrir. Ouais. Et même le t'a dit me pas venir en politique, pas toujours en politique par rapport à papa. Mais ça va me faire peur politique. Expérience que me fait à Kounia. Moi déjà fait. Mais imagine un monde qui t'a voulu aider, un monde qui ca aider décider Kounia pas entrer en politique pour pas prendre ça me prend. Ça veut dire que je pense que nous fait mal, oui, mais nous fait mal tout. Parce que il y a un monde qui a décidé, bon, je vais travailler là, je vais faire une fondation, je vais faire des choses. Et puis, dit, maintenant, je vais faire ça. Et des besoins d'aider, à faire ma marché, je vais faire ça. Il y a un monde qui veut comme ça, d'accord? Il y a un monde qui a dit, pas besoin de ça. Mais moi-même, je vais faire ma politique. Il y a du bon famille, mais grâce à Dieu, famille solide. Et. Papa m'a fait PDM à 200 000 à l'heure et maman, frère, monsieur, madame, avec son autre poteau mi-temps, on grand femme. So, nous pas peur, nous à l'aise. Mm-hmm.